Monsieur Trudeau, si vous aviez su ce que Mme Al-Gawabi avait écrit, est-ce que vous l'auriez nommé? Oui. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir des gens qui peuvent parler pour la communauté. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la communauté musulmane, y compris au Québec, et qui est là pour exprimer leurs inquiétudes. Donc, c'est pas une erreur. How are you responding to calls for her to resign, Prime Minister? She is there to speak for the community, with the community, and build bridges across. Obviously, she has thought carefully over many years about the impacts that various pieces of legislation, various political positions have had on the community. Her job now is to make sure that she's helping the government and helping everyone move forward in the fight against climate change. Vous avez demandé de clarifier ses propos. Elle a écrit sur Twitter. Est-ce que ça vous satisfait? Oui, ça me satisfait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui aurait pu faire le même travail, qui était moins controversé. Est-ce que vous êtes à l'aise avec à ce qu'elle demeure en poste? Le gouvernement Legault demande sa démission, son renvoi. En tant que ministre du Québec, vous en pensez quoi? Ben écoutez, c'est un poste qui est super important parce qu'on doit en faire plus pour lutter contre l'islamophobie, surtout alors qu'on se rappelle des événements qui ont marqué la mosquée de Québec puis aussi l'Ontario récemment. Donc évidemment, à cause des propos qu'elle a tenus par le passé, c'est vraiment inopportun et déplorable que son mandat commence de cette façon-là puisque le rôle, c'est vraiment d'unir les communautés. Est-ce qu'elle doit rester en poste? Mais est-ce qu'elle a la crédibilité pour rester en poste? Madame Al-Gawabi de se démissionner comme la CAQ le réclame? Non. Non? Pourquoi? Non. Je pense qu'elle peut... Ça, c'est une personne qui est militante. Une personne... je pense qu'elle devrait s'excuser pour s'assurer qu'elle ne dépeint pas moi et tous les Québécois de la même façon. Mais je pense pas que ça vaut une démission. Et pensez-vous que le gouvernement aurait dû nommer quelqu'un? Écoutez, c'est... On veut nommer quelqu'un qui est vraiment une militante, quelqu'un qui est militant, quelqu'un qui est vraiment impliqué. Assurément, quand on passe toutes nos paroles par les cribles, on va trouver des choses qui ne fonctionnent pas. J'espère qu'elle va présenter ses excuses et c'est ça que j'attends d'elle. Okay. Merci. Merci, M. Burgess. Est-ce que, comme le gouvernement Legault le dit, elle devrait démissionner, selon vous, en raison de ses propos? Écoutez, c'est une personne qui a exprimé des propos regrettables. Vous avez vu la clarification qu'elle a apportée. Puis moi, je dis, laissons-lui sa chance. On a, comme dans le reste du Canada, on a un problème avec l'islamophobie et le racisme systémique. Et puis, on va s'attendre à des résultats d'une personne du talent. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû nommer quelqu'un d'autre qui n'a pas fait des commentaires aussi controversés? Plusieurs disent que ça commence mal, son mandat. Ben écoutez, laissons-lui sa chance. C'est une personne qui a un parcours de route, puis qui a su relever des défis importants, notamment en soulignant l'état de l'islamophobie à travers le Canada. Voyons voir les résultats et j'espère qu'elle va être plus mesurée dans ses propos, dans son rôle qu'elle va assumer. Merci. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec sa nomination? Le gouvernement Legault, aujourd'hui, demande qu'elle soit renvoyée en raison des propos controversés qu'elle a déjà tenus. À la fin du jour, elle a fait ses excuses et je vais laisser ça aux autres pour décider de qu'est-ce qui se passe faire. Vous êtes à l'aise en tant que député du Québec? Bonjour tout le monde. Bonne année. Simplement, oui, c'est un peu tard, mais c'est la première fois qu'on se voit. ça fait extrêmement plaisir d'être de retour avec vous. J'imagine que c'est la même chose. Je vais faire une petite remarque d'ouverture et ensuite de ça, je vais prendre des questions, évidemment. Alors, c'est le retour de la session parlementaire. Grosse session qui est devant nous. Beaucoup de décisions à prendre. Pour nous, au NPD, il y a des dossiers qui sont chauds, qui répondent aux besoins de monsieur, madame, tout le monde. Alors, évidemment, on parle de la santé, les transferts en santé qui doivent être augmentés de manière significative. Les hôpitaux craquent, les urgences débordent, les gens souffrent sur le terrain. Parlant de souffrance, les gens en arrachent également. Alors, la question du coût de la vie, du coût des logis, les gens ont de la difficulté à se loger, le coût de la nourriture, l'épicerie. On doit faire face à ça, il faut aider la population, puis on va voir comment on peut le faire au cours des prochains mois. Je vous dirais également des enjeux qui sont extrêmement importants pour nous, l'assurance médicaments.
qui fait partie de l'entente, puis on veut forcer les libéraux à avoir une loi cadre sur l'assurance médicaments au pays, l'extension des soins dentaires pour les adolescents, les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap, dès cette année, pour nous, c'est primordial. On a ouvert le bal l'année passée avec les enfants, on va continuer dans ce sens-là. Puis évidemment, comme porte-parole en matière de travail, le dépôt d'un projet de loi anti-briseur de grève fait partie évidemment des priorités sur lesquelles je vais travailler. Monsieur Boudris, madame El Gawabi, est-ce que c'est une bonne nomination à votre avis, vu les propos qu'elle a tenus dans le passé? Bien, je pense que c'était une nomination qui est nécessaire parce que le poste est nécessaire. La lutte à l'islamophobie doit être le travail de tout le monde et le gouvernement fédéral a un rôle là-dedans. Alors, le poste, l'institution, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Mme El Gawabi, dans le passé, a tenu des propos qui étaient maladroits et qui ont pu blesser des gens? Bien sûr. Est-ce qu'elle a clarifié ses propos et c'était nécessaire? Bien sûr. Est-ce que ces clarifications ont fait œuvre utile? Je pense que oui. Puis je pense que je suis prêt à donner la chance au courant. Mais justement, le fait qu'elle ait tenu ces propos-là, puis qu'en ce moment, bon, ça divise, il y a le gouvernement du Québec qui demande sa démission, est-ce que c'est pas finalement un fossé qui est trop grand maintenant pour le combler, puis que le poste n'aura pas la valeur qu'il devait avoir au départ? Je pense qu'il y a eu une maladresse de la part de Mme El Gawabi. Je pense qu'elle l'a corrigé. Et moi, je suis prêt à donner une seconde chance. Puis qu'on voit le résultat de son travail. Pour nous, c'est ne que ça. Mais le poste est important parce que la lutte à la discrimination, au racisme et à l'islamophobie doit être une priorité. Ensuite de ça, pourquoi est-ce que le gouvernement libéral l'a choisi? Ça leur revient. C'est pas notre nomination non plus. Est-ce qu'ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre? Bien, je suis un peu surpris des propos de M. Pablo Rodriguez qui s'est dit soudainement profondément blessé alors que c'est lui qui l'a nommé. Mais je sais que ce matin a fait un lien entre toute l'attention qui est portée aux propos passés et le sort réservé aux femmes en politique. Est-ce que c'est un lien que vous aussi vous faites? Bien, quand on regarde les écrits en tant que tels, ce qui est écrit dans cette chronique-là, c'était maladroit, ça pouvait blesser, mais par contre, les attaques qu'elle a subies sont absolument disproportionnées. On s'est emparé de ça comme un outil politique pour gagner des points. Est-ce que ça arrive souvent aux femmes, ça? Oui. Alors, Jack Mead a tout à fait raison. C'est-à-dire que ça arrive souvent qu'il y a deux poids, deux mesures dans notre société, puis que parfois les gens peuvent être plus exigeants envers des femmes dans certaines positions. On l'a vu en politique, on l'a vu dans le monde des affaires, on l'a vu dans plein de cadres. Bien, c'est surtout qu'elle a tenu une affirmation qui était extrêmement maladroite, mais qui était basée sur un sondage de la firme Léger. Les chiffres qui étaient les données du sondage étaient réels. La manière qu'elle a exprimé, évidemment, c'était absolument très maladroit. Que 28% des Québécois ont une opinion positive de l'islam. Dans le Canada, c'est 37%. C'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est juste maladroit et que ce n'est pas carrément de la discrimination envers un groupe. Mais je pense que Jack Mead a été très clair là-dessus, puis je pense que dans sa clarification, Mme Amira également, c'est-à-dire que le racisme et la discrimination et l'islamophobie existent dans toutes les provinces canadiennes. C'est pas un cas québécois, c'est pas un cas ontarien ou de Colombie-Britannique. Il y en a partout, malheureusement. Mais le racisme envers le Québécois, est-ce que ça existe? Ça existe aussi. Oui, est-ce que ce n'est pas la preuve de ça, d'une discrimination systémique envers les Québécois, de penser que c'est tous des racistes? Je pense qu'elle utilisait une donnée qui vient d'une firme de sondage québécoise qui décrivait une situation. Ça a été fait de manière maladroite, peut-être insensible, vu la culture puis l'histoire du Québec. Mais je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais ben oui, quand on lit ses chroniques, oui. Elle se réclame un peu de la mouvance culture de la cancellation, décoloniale, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais écoutez, Mme El Gawabi va la responsable première de ses propres propos. J'ai pas à endosser 100% ou la moitié de ce qu'elle dit. Je connais pas tous ses écrits puis toutes ses paroles non plus. Moi, je pense qu'elle a fait œuvre de contrition. Elle s'est expliquée, elle s'est clarifiée. Moi, je pense que maintenant, on peut tourner la page puis regarder les résultats. Est-ce qu'elle va être une bonne conseillère spéciale à l'islamophobie ou pas? Mais la question, c'est est-ce qu'on aurait tourné la page sur quelqu'un qui aurait fait une grossière généralisation à propos des Noirs? Moi, je pense que une grossière généralisation à propos des Noirs est évidemment totalement inacceptable. Dans ce cas-là, elle s'appuyait sur une donnée qui vient d'une firme de sondage québécoise. Mais oui, peut-être. Mais là, vous me donnez une citation hypothétique qui n'existe pas. Je ne sais pas. À quel texte? Pourquoi on le pardonne quand c'est les Québécois qui sont visés, alors qu'on ne le pardonne jamais quand ce sont les personnes juives, noires ou musulmanes qui sont visées? Oui, mais je pense qu'on peut pardonner à tout le monde quand quelqu'un fait une bêtise ou quelqu'un commet une maladresse. Moi, ce n'est pas ma position personnelle, en tout cas, puis ce n'est pas celle de Jack Mead non plus. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne rentrée. Qu'est-ce que vous
pensé de la nomination de Mme El Gawabi? Est-ce qu'elle devrait rester en poste? Est-ce qu'elle devrait démissionner? Non, c'est un très mauvais choix. C'est malheureux parce que l'enjeu est très important et très sérieux et très humain. C'est l'anti-islamophobie. Tout le monde sait qu'on a des choses à faire là-dessus. Pire chose à faire, c'est de polariser le débat et de se mettre les uns contre les autres. Au contraire, il faut se mettre les uns avec les autres pour parler, pour dialoguer. C'est ça le début de la fin des conflits. Or, madame s'est distinguée au cours des dernières années comme étant une polémiste hors du commun, avec des propos tout à fait inacceptables, entre autres sur le Québec, sur Élisabeth II, parfois même des propos qui frisaient l'antisémitisme et les attaques contre la police. C'est pas ça dont on a besoin pour quelqu'un qui doit unir les gens et qui doit nourrir le dialogue et non pas nourrir la confrontation. Mais c'est ce que M. Trudeau a fait. C'est son choix. Vous n'êtes pas prêt à passer l'éponge? Il y a beaucoup de gens qui disent de clarifier ses propos, peut-être lui laisser une deuxième chance, la chance au coureur. Vous n'en êtes pas là dans votre réflexion? Non. Et pourquoi? Parce qu'elle a décidé de clarifier ses propos après que le premier ministre l'ait nommé, puis que le premier ministre soit rendu compte que, oups, là, il n'est peut-être pas sûr, c'est la bonne affaire. Pourriez-vous clarifier vos propos, s'il vous plaît? Oui, après ça, les clarifie. Non. D'abord, M. Trudeau a complètement erré dans son fonctionnement. T'sais, quand on voit qu'une de ses ministres senior se dit insultée par cette nomination-là, c'est la preuve qu'il ne l'a même pas consultée. C'est rendu que le premier ministre ne consulte même pas son ministre senior du Québec sur des nominations aussi fragiles que ça. Ben, ça démontre qu'il a complètement perdu le contrôle. Et on mérite mieux que ça. Alors, oui, bien entendu, on a vu qu'elle a ajusté le tir hier. Elle a ajusté le tir après que le premier ministre y ait demandé. Tant qu'à moi, le premier ministre aurait peut-être dû demander de clarifier les propos avant qu'il la nomme. Il l'a nommé après. Il l'a nommé et après ça, il dit clarifier, puis après ça, il l'a clarifié. Alors, et on a vu hier que M. Trudeau l'a présenté. J'étais d'ailleurs à la mosquée hier. Moi, j'étais là, comme d'ailleurs j'ai été à toutes les commémorations de la mosquée depuis 6 ans. Citoyen de Québec, ça va de soi. Puis moi, je suis très sensible à ces discussions-là. Et ce que j'ai vu hier, c'était des gens qui étaient en plein dialogue et de discussion positive entre nous. Mais cette madame-là, malheureusement, n'a pas fait ça comme carrière. Monsieur, M. Dettel, ça pourrait avoir été fait de façon consciente, cette nomination-là, dans l'esprit où, des fois, avoir des opinions, disons, tranchées sur les Québécois, ça peut payer ailleurs au Canada? J'espère que non. Donc, je n'irai pas jusque-là personnellement. Mais ce que je constate, c'est que M. Trudeau a nommé quelqu'un qui, comme lui, nourrit la confrontation et nourrit la discorde. Alors que le travail premier d'un premier ministre, c'est justement de réunir les gens et de les rassembler et d'amener le dialogue positif entre nous tous. Mais M. Trudeau a choisi quelqu'un qui s'était distingué par des propos qui étaient indigestes pour bien des gens. Je voulais faire un peu l'avocat du diable. Les gens qui sont souvent des militants, des activistes, souvent choquent, bouleversent un peu leur établi. C'est pas bon d'avoir des gens qui sont aussi... qui sont, oui, peut-être plus radicaux que le système en place, mais des gens comme ça qui fassent partie du gouvernement pour bouger les choses. Moi, j'ai strictement aucun problème avec les opinions contraires aux miennes. Au contraire, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Il y a des choses avec lesquelles je lis des fois, puis ça me saute 10 pieds dans les airs, ouais, puis on appelle ça la démocratie, et c'est correct ainsi. Mais est-ce que quelqu'un qui a polarisé par ses propos et son approche au cours des dernières années doit être nommé comme personne qui doit rassembler les Canadiens? Moi, je pense que ça fasse même, ce n'était pas un bon choix. Et ce qui est pire, c'est que M. Trudeau a persisté là-dedans et a demandé des éclaircissements. Mais il était où, lui, quand il l'a nommé? C'est toujours bien lui qui l'a nommé. Il n'a pas pensé consulter son ministre senior du Québec sur cette nomination-là, qui, lui, a dit tout haut ce que bien du monde pense tout bas. Non. Est-ce qu'elle, elle a dit tout haut ce que bien des gens au Canada pensent tout bas des Québécois? Ça, ça fait partie du débat public. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle pense. Et si c'est ça qu'elle pense, elle n'a pas sa place comme une personne qui doit rassembler les gens. Mais la question, c'est est-ce qu'elle reste en place? Est-ce que le gouvernement accepte de la garder en place? Parce qu'à quelque part, on sait qu'il y a bien des gens qui pensent la même chose. J'espère que ce n'est pas pour ça que le premier ministre l'a nommé. Si c'est ça, c'est totalement désolant. Mais ça, c'est une idée qu'on se fait. Et là, je ne rentrerai pas là. Ce que je sais, par exemple, ce sont les faits. Les faits, c'est que cette dame s'est distinguée pendant des années entières à tenir des propos qui sont à fait indigestes pour bien des gens, moi le premier, et M. Rodriguez également, aussi n'a pas aimé ça, et qu'il l'a nommée et qu'il la confirme à cette fonction-là. Et qu'il dit que lorsqu'elle est nommée et que la controverse émerge, il dit « Ah ben, il faudrait qu'elle clarifie. » Non, Justin, tu n'as pas pensé d'y dire avant, coudonc, peux-tu clarifier tes affaires avant que je te nomme là? Ben non. Mais M. Trudeau a agi avec une arrogance qui lui est propre depuis 8 ans. Depuis 8 ans qu'il est premier ministre, il divise, et s'il en a fait la démonstration,
relation avec cette nomination. Monsieur Singh, laisse entendre. Monsieur Singh, can I ask you a question in English? Yes, thanks, sure. Thanks. So, like, this was asked to Mr. Singh. Do you think that perhaps that the criticism of Al-Gabo is so heavy-handed and is, you know, disproportional because she's a woman, she is a racialized person? Okay, well, yes, first of all, I believe that's what you're saying, but obviously I've not heard what Mr. Singh said. I will not comment what Mr. Singh thought. The point is that we have seen in the last year this woman being part of the debate with a very direct point of view. And I do respect the point of view. I'm not sharing, but I do respect it. This is what democracy is all about. But when we name, when you appoint someone to address the specific and very touchy issue of Islamophobia, you need, as far as I'm concerned, to appoint someone who will unite people, who will have a great dialogue with people. Instead of that, Prime Minister Trudeau appointed someone who has spent the last years with confrontation, with devising speech, with accusing this one and this other one. That's not the way to address the issue, very specific and very touchy issue of Islamophobia. Monsieur Deltel, j'ai raté le début. Demandez-vous sa démission et où son congédiement? Alors, vendredi, vers 5 heures, notre chef a publié sur Twitter une déclaration formelle demandant justement que madame ne soit plus là, parce qu'on estime qu'elle n'a pas sa place dans cette fonction-là. Donc, elle devrait démissionner ou se faire bon, écoutez, ça, c'est à savoir si elle part ou elle part pas ou quoi que ce soit. Le fait est que M. Trudeau, le premier ministre qui l'a nommé, a demandé de préciser sa pensée, sous-entendu que, oh, OK, la pensée qui est exprimée n'était peut-être pas celle qu'il voulait, mais c'est ça qu'il a fait. C'est ça qui est choquant. On ne parle pas d'une conversation dans le fond d'un corridor, puis on jase. Non, non, on parle de textes écrits, publiés, puis publiés à des milliers d'exemplaires, où il y a des références tout à fait inadmissibles. Que l'on soit québécois, que l'on soit monarchiste, peu importe. La madame a dit qu'Elisabeth II est raciste. Come on, man. Là, alors, des choses comme ça qui sortent du cadre de l'attitude que l'on doit avoir lorsque la fonction première de la conseillère sur l'islamophobie, c'est de justement rassembler les gens. Vous dites que ça s'efface. Excusez-moi. Vous dites que ça ne s'efface pas, dans quelque sorte. En fait, elle le dit. Elle a bien le droit de penser ce qu'elle veut. Et là, je veux bien faire une distinction. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec elle qu'elle n'a pas le droit de le dire. Au contraire, ça fait partie du débat. Encore faut-il que ce soit sur des faits qui sont vraiment réels. Ce qui devient des cas ne l'était pas. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend quelqu'un qui est uni et non quelqu'un qui est délégué. Mais ce que vous voulez dire, c'est que une excuse n'est pas suffisante. Ça ne peut pas effacer ce que vous pensez être une pensée profonde. De ce que j'ai vu, c'était des précisions et non des excuses. Hein? Ça, je ne vais pas mettre des mots, là, j'ai peut-être manqué de ces déclarations, alors je vais faire attention quand je dis ça. À ma connaissance, ça ne s'est pas excusé. But by the way, that would change absolutely nothing. Excuses or not, what she said is what she said, and as far as I'm concerned, she doesn't belong to this job. OK. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé en anglais là-dessus. Non, dites-moi le don. Écoutez, excuse ou pas excuse, elle a dit ce qu'elle pensait, puis dans mon point de vue à moi, nommer une personne dans cette fonction-là n'appelle pas des excuses, mais appelle à quelqu'un qui va rassembler, qui a passé sa carrière, justement, à rassembler, à unir les gens plutôt que les diviser comme madame. Merci. Story today in the Globe. Hundreds and hundreds of research projects being conducted between Canadian universities and Chinese military university called the National University of Defense Technology. It's a PLA university. Its job is to improve the Chinese military. There are calls to ban such research in the future. And I want to ask you the question, should we be banning research between Canadian university researchers and a PLA university, in this case, the NUDT? Well, without question, we have to be ever vigilant when it comes to protecting our democratic institutions, and that includes academia, and that is why we have put in an array of measures to screen not only individuals who are coming to study in academia in Canada, but as well to ensure that we are screening investments that are funded by the research and academic sector. As you'll recall, we introduced some guidelines around that very recently to raise the bar around the rigor in our national security screening protocols, and we will continue to make the investments that are necessary to do that. But I want to underline that we are eyes wide open when it comes to the threats and the risks that are posed by foreign interference, and the specific actions that we have taken with regards to the academic sector are just one among many in which we are protecting our institutions. Why not bar, I've got time for one more. Why and not bar I them from go working to, at the committee. PLA university? It's the university's job is to enhance the Chinese military. Why not bar those kind of contracts by
any kind of research between Canada and the National University of Defense Technology? We're going to take each and every one of the proposed investments and funding grants on a case-by-case basis. That is a way in which we can look at the available information, assess the intelligence, the applicants, the partnerships, and then make an assessment based on those facts rather than conjecture. And we'll continue to make the investments that are necessary to protect our institutions. I'm happy to talk to you more about it. I do have to run the standing committee. Have fun. Thanks. Take care. The concern, the problems that Mexican-Canadian companies have in the mining sector. Can you just sketch out for me what the issue is? Yeah, you know, it's just predictability of the rules for the company. So as I do with all companies, when they raise issues with me, I raise it with my counterpart. So, you know, there are issues, like one issue that was raised with me was just an issue around getting permits. So it was just making sure that I raise it and that we stay on top of it and that our colleagues, over there are working with us on that, mostly because it's important for the Canadian companies. Okay, thanks very much. Good. Okay. Take care. Hi, how are you today? So what were some of the things and concerns you're looking for from the Prime Minister when he meets with the Premier's coming up? You know, I think the big things that we understand that there's 5 million Canadians who do not have access to primary care. That's one of the major concerns that we have. And of course, we know that the delivery of healthcare is very, very expensive. The other issue around it is the significant burnout of staff in the healthcare system that already exists. So what we know is that if the Prime Minister, as he has been, refusing to continue to meet with the Premiers, then we know that no solutions are going to be found. Because as we all know, that's where the delivery of healthcare comes from. Is there any concrete things that you'll be looking for from the Prime Minister that he needs to give the Premiers and the Conservatives to support him? I think the big thing that the Prime Minister needs to do is to start talking about healthcare. What he's made clear is he says until the pandemic's over. Now maybe he knows that the World Health Organization is going to say that it's going to be over, but that being said, he said that he wasn't going to speak to the Premiers at all until the pandemic was over. But we know, as everybody in this entire country knows, is that there's a crisis in healthcare. You know, when you look at it, there's 1 million Nova Scotians and 100,000 of them at least do not have access to primary care. That's a crisis. When we see people dying in our emergency rooms, that's a crisis. That's not the kind of healthcare system that any Canadian expects. So those are the kinds of things that we expect the Prime Minister to talk to the Premiers about. Absolutely. Do you think it's fair that the federal government tie deliverables to funding? They mandate the provinces achieve certain things in order to hand over the money, and would a Conservative government take the same approach? You know, I think that what we know very clearly is that the provinces are the ones who are responsible for delivering the healthcare. But what we need to understand better, and I think I said this to you before, is that what we're seeing is a bit of a patchwork of care in the healthcare system, which then creates potential inequities. I think there's better ways than you know, in the vernacular of hitting people over the head with things to say you must do this or you must do that. How is that going to incentivize anybody to want to do the right thing, which is really what our system is based upon? So, but would you tie federal funding to Liberals? I would not do healthcare the way the Liberal government does healthcare. I would do it very, very differently. Absolutely, I would. In BC, they're starting up in the next couple of days a pilot program around decriminalization of drugs. What's the Conservatives' position? You know, I think that we've made it very clear. We made it very clear in committee when the minister was there that is not the way to go about the considerable problem we have here with drug overdoses and the deaths that we see in Canadian families day upon day. The difficulty here is that there's no treatment option. This is end-of-life care. How do you say to somebody, you know, because you have a problem with addiction, that your life is now over, that all we're going to do is offer you end-of-life care for your problem? That is not the way to go about treatment here. And we also know the significant issue is related to the amounts of medication or drugs that the government is proposing to decriminalize. With 2.5 grams of fentanyl, and not sure if you followed us in Health Committee, but very clearly this is enough to kill thousands of Canadians, which really doesn't make any sense to say, hey, you're a Canadian, you have an issue with fentanyl, you have enough medication or drug in your pocket to go ahead and kill thousands of Canadians. It doesn't make any sense. So thanks very much, guys. I appreciate it. See you later.
Good afternoon, everyone. Today we're calling for an emergency debate in this House by all members due to the rising incidence of violence across the country, but particularly in a place that that many on the other side in government represent in Toronto, and particularly on the TTC. We've seen incidences of violent attack, random violent attack, day after day on our public transit system, and we have a minister in the House who used to be the Toronto Police Chief who has actually said nothing at all. In fact, he's made more comments on violence in the U.S. than he has in the city that he represents, and a public safety minister who says he's concerned but not concerned enough to do anything about it. So that's what we're calling for today, and we hope that the Speaker grants that request. Can you ask you what you think of the nomination of Ms. Olga Wabi? Well, I think, you know, I tend to agree with the Minister of Heritage, who has denounced his own nomination and denounced her comments. So for somebody who has appointed that person with absolutely no vetting and has made those comments, well, frankly, I agree with him. Mr. Trudeau says that he doesn't regret that. If he had known and that what she said, he would have named it her anyway. Well, I think the nomination came again from the Minister of Heritage, as we understand it. It's a PCH appointment, and he was rather clear about his comments of what she said about an entire province being Islamophobic. You know, we certainly don't think that it is a problem across Canada, and again, we agree with the Minister of Heritage. So, what are you looking at when it comes to, you know, tackling rural crime situation? 3-point. Well, certainly, certainly we'll speak about bail reform and the fact that those who have known to reoffend are in some cases those who are committing crimes in Toronto, and of course the question of mandatory minimum jail time for violent crimes. The incidences of violent crime in this country are up 32%. Gang homicides are up 92% since this government has come to power. So there is a problem here, and we want to discuss it today in the House in an emergency debate. Okay. Thanks very much. I'm going to go in for C'est évidemment ce dont les gens nous parlent, l'inflation, le coût de la vie. Tout coûte plus cher depuis 8 ans que M. Trudeau est au pouvoir. 8 ans plus tard, on se rend compte que tout coûte plus cher. Alors, c'est l'inflation qui frappe la réalité de tous les Canadiens, de toutes les familles. Il n'y a personne qui ne parle pas de ça, que ce soit quand on fait notre marché ou quand ce soit pour renouveler un bail ou quand ce soit pour renouveler les taux d'intérêt avec la maison. C'est la priorité, préoccupation numéro un des Canadiens. Alors, nous, ce qu'on demande minimalement au gouvernement qui aurait dû faire depuis 8 ans, mais qui n'a pas fait, c'est à tout le moins contrôler les dépenses. J'entendais le ministre Leblanc dire « Oui, oui, on va faire ça sérieusement. » Ça fait juste 8 ans qu'ils sont au gouvernement, ils n'auraient pas pu faire ça avant. Mais bon, c'est l'approche libérale. Alors oui, on va continuer à talonner le gouvernement sur la question de l'inflation. Ça touche toutes les familles canadiennes. Un autre dossier qui fait beaucoup jaser, celui de Mme El Baghaoui, qui a été nommée. Oui. Elle a précisé sa pensée. Le gouvernement dit, là, elle a précisé les choses, dossier clos. Vous en pensez quoi? Le dossier n'est pas clos du tout pour moi. Mais alors là, pas du tout. C'est M. Trudeau a encore une fois manqué une belle occasion d'unir les Canadiens, mais dans son style qui lui est propre depuis 8 ans, il divise les Canadiens. Cette nomination-là est une nomination divisive. Madame a le droit à ses opinions, même si je ne les partage pas. Elle a le droit à ses opinions, de les exprimer comme elle le veut. Mais quand vous assumez un rôle d'unificateur, un rôle de conseillère, un rôle de parler aux Canadiens pour leur dire « acceptons-nous tous tels que nous sommes », alors qu'elle-même a profané pendant des années entières un discours qui était agressif face aux Québécois, un discours qui parfois était antisémite, qui parfois était anti-policier. C'est le genre de choses qu'il faut... On ne peut pas accepter ce type de situation-là. Et M. Trudeau en fait sa principale conseillère. Non, c'est pas un bon choix. Donc, elle ne peut pas rester en poste? Écoutez, je pense que M. Poilievre a été très clair dans son message diffusé vendredi. Je tiens juste à préciser ça parce qu'il a été dit que c'était samedi matin. C'est qu'on l'a fait vendredi. Évidemment, on avait le caucus, alors je comprends que c'est passé peut-être pour d'aucuns dans la craque, comme on dit le vendredi soir, puis le samedi, c'était comme si c'était nouveau. C'était pas nouveau, on l'avait lancé dès le vendredi. Donc, M. Poilievre a été très sévère envers cette nomination-là. Le Canada mérite quelqu'un qui va s'attaquer sérieusement au problème de l'islamophobie qui frappe au Canada et partout ailleurs dans le monde, mais ici au Canada. Et c'est pas en choisissant quelqu'un qui polarise le débat, qui va aider à accepter cette réalité-là et à combattre l'islamophobie. Et malheureusement, M. Trudeau, après 8 ans de gouvernance, a encore montré qu'il préfère diviser plutôt que d'unir les Canadiens.
Sure. Can I ask you yes. a quick question? Yes. Good to see you. Well, you too, buddy. Good to see you. I want to maybe just reflect on this idea. Your party is ahead in the polls, and I would suggest that your leader and your party has been very effective diagnosing the problem. Canada is broken, etc. I wonder, can Canadians expect maybe over the next several weeks, now some solutions? You've got the problem, you've diagnosed it, and you'll be talking more about how to fix inflation, how to fix passport lines. Is that perhaps what's in the works? Well, wait and see, and then you will be very pleased with what we have to propose to Canadians. Well, you know, solutions, technically speaking, are normally during a campaign. So this is why we are in politics. You know, we highlight some problems, we suggest some recommendations, then we have a platform during the election. So we never know when the government will call the shot for the election. Mr. Trudeau is saying nothing in 2023. Remind me what he said 3 years ago, and we know how it will finish. And he called the shot during the fourth wave of the COVID-19. So we have a job to do. We will continue to do it. I'm very pleased that you recognize that, yes, we are growing up in the poll, but, you know, polls are polls. But the real one is the election. We'll get ready for that. Avez-vous commenté, M. Deltel, l'affaire El Gawabi? Oui, un petit brin, mais je peux... Ben oui, si vous pouvez. Bon, je sais que M. Poilievre a réclamé sa démission, là. Le gouvernement de la CAQ a jeté sa voix aussi. Oui. Pourquoi est-ce que vous jugez qu'il faut aller jusqu'à réclamer son retrait, son départ? Ben, c'est parce que malheureusement, Madame s'est distinguée au fil des années comme étant quelqu'un qui provoquait plutôt que d'unir. Et quand plus on fouille, plus on découvre des déclarations malheureuses qui concernent soit le Québec, qui concernent soit la Reine, qui concernent soit la fête du Canada, des propos qui frisent l'antisémitisme, les propos également qui sont contre la police. C'est quand ça va dire que ça me fait vomir de voir que quelqu'un estime que les Canadiens français ont été ceux qui ont été les plus maltraités par la couronne britannique, puis ça me fait vomir le lien un peu maladroit, pour pas dire inacceptable, qu'elle a fait entre l'attentat de Londres et la loi 21. Cette personne-là, c'est distingué comme étant une polémiste. On n'a pas besoin de polémiste, c'est le même. On veut quelqu'un qui va unir, particulièrement pour cette fonction qui vise à faire comprendre aux gens qu'on doit tous vivre ensemble. Et voilà quelqu'un qui est polémiste, que l'on met là? Non. Mais c'est typiquement dans le style de Justin Trudeau qui, lui, carbure à la division. Doit-on être surpris qu'il nomme quelqu'un qui a fait carrière dans la division pour être son conseillère pour contrer l'islamophobie? C'est dommage. M. Trudeau a manqué une belle occasion d'unir les Canadiens dans la lutte contre l'islamophobie. Au contraire, il est allé nommer quelqu'un qui soulève le débat. Et c'est pas juste Pierre Poilievre qui se rend compte de ça vendredi. Vous avez vu le ministre Pablo Rodriguez, qui lui-même, comme Québécois, s'est dit outré. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pendant... Ça fait 8 ans que M. Trudeau est premier ministre, puis il consulte même pas ses ministres seniors sur des nominations aussi importantes que ça. Tout à fait désolé. Elle a été vêtée en bon français, parce que M. Trudeau... On a fait des vérifications sur ses déclarations passées, puis qu'on l'a nommée en dépit... ou grâce à ce qu'elle a dit, là. Je demande de supputer, mais... Ouais, j'ai réagi sur Twitter, justement, quand j'ai vu que M. Trudeau, vendredi dernier, disait il invite Madame à préciser sa pensée. Non, mais il n'avait pas pensé à ça, même la nommée qui a précisé sa pensée. Non. M. Trudeau s'est inspiré de quelqu'un qui est comme lui, qui est divisif, qui est polémiste, qui divise les gens plutôt que de les unir, pour une fonction qui appelle à l'unité, au rassemblement, au dialogue, à la conversation positive qu'on doit tous avoir, nous les Canadiens. Mais non, M. Trudeau a choisi une personne qui polarise. C'est tout sauf ce qu'il doit faire. Mais ça fait 8 ans qu'il fait ça, M. Trudeau, diviser les Canadiens. Il l'a confirmé hier. Merci, M. Deltel. Bonne rentrée, bon retour.